Tu viens de passer ton ASVAB et la fiche qu'on te remet, tu comprends rien du tout. Rien, rien du tout. Il y a des chiffres qui sont partout, partout là mélangés que tu n'arrives pas à comprendre. Aujourd'hui, on va parler de ces chiffres-là. Les chiffres ou bien les scores qui comptent pour que tu puisses avoir un boulot au sein de l'USAME. Welcome guys, this is my channel, Live Like a Soldier. My name is Orich Kusembe. Private first class, 6 year Delta Operation Room Specialist. Welcome to my channel where I share all my experiences and some of my research to you guys. Like, je suis juste là pour partager mon expérience, les gars. Donc, si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ASVAB score. Comment comprendre tous les chiffres qui sont dans l'ASVAB score? Comment est-ce qu'on a enregistré? Comment comprendre les chiffres qui sont l'ASVAB score quand vous avez soit un IQ diplôme ou bien soit un GED? Aujourd'hui, nous allons parler de ça. Alors, restez scotchés sur la vidéo. Nous allons donc commencer par la charte. Cette charte ici qui détermine le military requirement for minimum ASVAB score. Bien entendu, d'une part ici, on a le military branch. Le diplôme que vous avez, soit un high school diploma ou soit un GID. Alors, par rapport à la branche, c'est-à-dire Air Force, Army, Coast Guard, Marine et National Guard. Ici, ce sont les différentes branches du military ici en Amérique. Donc, quand vous avez par exemple le high school diploma, pour pouvoir entrer dans le Air Force, il vous faut un minimum de 36. Pour l'armée, c'est 31. Pour le Coast Guard, c'est 40. Pour le Marine Corps, c'est 32. Le National Guard, c'est 31. Et le Navy, c'est 35. Par contre, si vous avez le GED, vous devez avoir un 65 à ASVAB. 65 au ASVAB. Quand vous avez un GED, vous devez avoir un minimum de 65 pour pouvoir entrer à Air Force et 50 pour le reste de branches. Donc, avant de contacter votre recruteur, sachez déjà que, ok, si par exemple je dois passer mon ASVAB en prenant mes différents tests que je peux trouver en ligne pour pouvoir m'entraîner, voilà les différents scores que je dois avoir au minimum pour pouvoir avoir un job avec l'US Army. Ensuite, passons maintenant à la suite. So, right now we're going to talk about the line scores. Donc, la ligne des scores, parce que quand vous passez votre ASVAB, il y a différentes matières que vous allez composer. Et par rapport à ces différentes matières-là, ils vont vous coter, ils vont vous donner certaines notes pour déterminer quel est votre niveau en fonction des performances que vous avez pu faire, quoi. Donc, ici, nous avons la ligne combat, la ligne électronique, la ligne field artillery, la ligne general maintenance. Donc, quand vous avez des notes assez plus importantes dans Resonant Arithmetic Key AR, Coding Speed ou Auto Shop Information ou Making a Comprehension, ça veut dire que votre capacité vous envoie plus vers ce qui rejoint le combat, quoi, dans les combat zones ou bien les combat jobs, si on peut prendre ça dans ce sens-là. Et maintenant, on descend maintenant sur Electronics. Electronics, vous devez être bon en General Science, Arithmetic Reasoning, Mathematical Knowledge, Electronical Information ou bien AI. Field Artillery, dans ce cas, vous devez avoir des notes assez bonnes en AR, Arithmetic Reasoning, Coding Speed, Mathematical Knowledge, Mechanical Comprehension. Et maintenant, on a le cas de la General Maintenance. Dans les matières de l'ASVAB, on a General Science, Auto Shop Information, Mathematics, Knowledge and Electronical EO. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, en fait, je veux faire le IT ou bien je veux faire ceci dans le military. Il faut bien étudier cette première partie de la charte. Parce que la charte, elle a deux parties. Il faut bien étudier cette première partie de la charte. Et la deuxième partie, bien entendu, que nous allons exposer tout à l'heure. Parce que quand vous scorez, ou bien quand vous préparez pour le ASVAB et que vous pistez un job, quand vous pistez un job, vous devez vous focaliser sur les matières qui vont vous donner des grands scores, qui vont vous donner trait à ce job-là. Je prends un exemple. Si vous êtes dans le domaine de l'électronique, vous devez avoir des grands scores en General Science, Arithmetic Reasoning, Mathematical Knowledge ou bien Electronic Information. Alors, nous allons passer à la suite de la charte.
Ici maintenant, nous allons passer à la deuxième partie de la charte qui concerne ici un élément très très essentiel dans la poursuite de votre carrière dans le military, le GT score, General Technician, qui concerne ici le verbal expression et arithmetic reasoning. That is really important parce que il y a la majeure partie des ce qu'on appelle, ce que certaines personnes appellent bon job, même comme jusqu'à présent, on voit pas trop. Ce que certaines personnes appellent le bon job nécessite un grand GT score. Par exemple, si dans le futur vous désirez être officier, il faudrait que votre GT score soit vraiment haut. C'est-à-dire, votre GT score doit être à partir de 110. Donc, si vous avez déjà passé le ASVAB ou bien si vous projetez passer le ASVAB, bon, si vous avez déjà passé le ASVAB, regardez votre fiche et regardez le GT score. Quand vous avez un GT score qui est déjà supérieur ou égal à 110, c'est une très bonne chose pour la poursuite de votre carrière. Très, 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 très bonne chose parce que le GT score vous ouvre beaucoup de portes. Donc, GT score, vous devez faire un max de points en verbal expression. Et un arithmetic reasoning. Ensuite, nous parlons maintenant ici au MM qui est le mechanical maintenance, où vous devez avoir de bons scores en numerical operation, auto shop information, mechanical comprehension et electronic information. Tout ce que vous allez voir là en termes de NO, AS, MC ou bien EI, ce sont les différentes matières que vous composez quand vous faites le ASVAB. Ensuite, nous descendons ici vers OF, OF qui est Operator and Food. Mais Naruto Yankee, généralement, ils ont souvent de bons scores dans ce domaine-ci, où le verbal expression, numerical operation, auto shop information, making a comprehension. Donc, avec tout ce que vous allez regarder dans la charte, vous pouvez déjà voir dans quel domaine et puis dans quel domaine du military un peu vous pouvez vous situer en ce qui concerne votre job. Donc, et comme je l'ai mentionné dans une vidéo déjà, c'est que quand vous avez en tête peut-être le boulot que vous voulez faire, tapez simplement sur le net, le boulot que vous voulez faire, c'est-à-dire dans le monde des civils, le boulot qui passe dans votre tête, et vous mettez MOS, In Army. Et là, ça va vous aider à pop-up quelque chose sur le net qui pourra vous déterminer que, OK, bon, voici peut-être ce que je peux avoir, le titre de mon boulot. Et quand vous avez maintenant le titre de votre boulot, vous cliquez maintenant sur le titre de votre boulot. Ça va afficher les différents scores qui sont sur ce niveau de la charte que je suis en train de vous présenter. Ça va vous donner les différents scores que vous devez avoir pour pouvoir avoir ce boulot-là. Et aussi, il faut noter que quand vous êtes immigré ou bien vous venez d'arriver aux États-Unis ou bien vous êtes green card holder, que vous n'êtes pas citizen, il y a des boulots que vous ne pouvez pas avoir. Par exemple, dans le domaine de IT, il y a certains boulots que vous ne pouvez pas avoir ou bien dans certains domaines, vous ne pouvez pas avoir parce que vous n'êtes pas citizen. Mais ne baissez pas les bras. Essayez juste de mettre une stratégie en place selon laquelle vous entrez, vous n'êtes pas citizen, vous prenez un contrat et après, peut-être au milieu de votre contrat, vous contactez votre chain of command et vous les faites comprendre que, en fait, quand vous êtes déjà citizen, bien sûr, vous les faites comprendre qu'en fait, je veux juste changer de boulot. Et quand il faudra peut-être changer votre boulot, ils vont référer à votre ASVAB score que vous avez fait depuis il y a peut-être de cela 2 ou 3 ans. Ils vont regarder votre score des ASVAB, ils vont dire, OK, tu veux faire quoi? Ils vont regarder quel était ton GT score ou bien quel était peut-être ton EL score pour voir vraiment si tu es qualifié pour le job auquel tu veux faire. Donc, il est toujours important, même si vous ne pouvez pas avoir le job que vous avez sur votre premier contrat, vous pouvez facilement avoir le job que vous voulez sur votre deuxième contrat. Ensuite, passons. Et maintenant, nous venons maintenant à la partie de la charte finale, en fait, la charte qui détermine ici les différents composite scores. Donc ici, il y a au top de la page, vous pouvez voir qu'ici, on a les standard scores, GSRAWK, PCMKIRASMCAOEVE, tous ces différents subtitles qu'on a vu récemment dans les line scores, quoi. Donc, en fonction de comment est-ce qu'ils vont agencer vos différents line score,
ils vont déterminer les différents scores que vous voyez en haut. On a parlé du GT score, on a parlé du L6, du CL score, du CO score et du ELFPR score. Donc regardez la ligne de Omi. Vous allez remarquer, voilà la ligne pour ce qui require, donc du moins on peut dire les requirements pour pouvoir avoir un job dans l'US Army. Donc ici on peut remarquer que la première chose à noter ici, c'est le AFQT, percentile score. Vous l'avez remarqué dans la première photo partagée, c'est que en ce qui concerne le Army, vous avez besoin de 31 pour pouvoir passer le ASVAB score. Et maintenant, différent de chaque endroit, en différent de chaque component, vous pouvez déterminer ici quel est le score qu'il vous faut pour pouvoir avoir un job dans les différentes parties du military, que ce soit Army, Air Force, Navy, Coast Guard, National Guard. Aussi, à noter une chose, c'est que quand vous n'avez pas encore signé votre contrat final, vous pouvez changer de component quand vous le voulez. C'est-à-dire, si vous avez fait tout votre processus au sein de l'armée, arrivez peut-être quand vous faites votre ASVAB test, vous vous rendez compte que hey, j'ai bien fait, peut-être je vais changer d'avis, je vais aller Air Force ou bien je vais aller Navy. Et vice-versa, quoi. Si vous êtes Air Force et que quand vous avez passé votre test de ASVAB, vous remarquez que mince, j'ai plus d'opportunités ou bien j'ai plus de potentialité d'avoir quelque chose d'intéressant avec le Army et tout le reste, vous pouvez toujours changer. Juste faire part à votre recruteur qu'en fait, je veux changer. Il va vous mettre en contact directement avec le côté du component que vous voulez entrer, quoi. Donc ici, la personne a passé son test de ASVAB avec brio parce que la personne a une note de 93. Parce que à noter que la note maximale du ASVAB, c'est 99. La personne a une note de 93. Ici, on peut remarquer que en ce qui concerne le Army, parce que ici je ne vais parler qu'en tant que Army, parce que même dans la photo partagée, on a trouvé Air Force, c'était un peu pour vous faire une forme de remarque. Regardez la ligne de Army. La ligne de Army, la personne a eu un GT score de 130. 130, c'est exceptionnel parce que avec ce score de 130, la personne peut avoir n'importe quel boulot au sein de l'USA. Mais si la personne est citizen, maintenant si la personne n'est pas citizen, il y aura juste une simple restriction du fait selon lequel, comme tu n'es pas citizen, il y a certains boulots que tu ne peux pas avoir. Donc, regardez ces différents scores et repartez maintenant au niveau de la ligne des line scores. Vous allez remarquer que en associant les différents points, vous remarquez les différents line scores et vous allez voir dans quelle position est-ce que vous pouvez vous mettre pour avoir un certain boulot au sein de l'US Army. Donc, le plus important en ce qui concerne l'armée, c'est le GT score parce que le GT score détermine votre habilité à avoir un job ou pas. Un bon job, si on peut dire ça comme ça. Un bon job ou pas. Alors, après avoir regardé tous ces chiffres et toutes ces connotations, prenez le temps de bien regarder la vidéo, de bien prendre en compte tous les éléments énoncés dans la vidéo pour que vous puissiez être situé. Quand soit vous allez passer votre test de ASVAB ou bien soit vous avez déjà passé votre test de ASVAB et vous voulez bien comprendre en fait tout ce qui réside sur ce papier. Donc, dans la liste, dans le line score et les cross composites, vous pouvez regarder les scores qui vont vous qualifier pour un certain nombre de boulots. Et aussi, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et d'aller dans la description de la vidéo pour regarder la vidéo sur le OPAT score. I'm pretty sure a lot of people don't talk about it, but it's really important de savoir quel est votre OPAT score. Quel est votre OPAT score? La vidéo du OPAT score est dans la description de la vidéo. Parce que avec la vidéo du OPAT score, avec cette vidéo sur le ASVAB, vous pouvez déjà savoir en général quel est le genre de boulot est-ce que vous pouvez avoir avec votre note. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner pour nos prochaines vidéos. À ciao la famille!